fait manger. Je galère. Ouais, ouais, tu veux acheter pour 4 pièces? Non. Salut tout le monde. Bon. Aujourd'hui, on est à Los Angeles. Ouais, et on est le 1er janvier, donc bonne année tout le monde. Bonne année. Nous, on l'a passé dans les airs. Ouais, salut. On l'a passé dans les airs, mais vraiment, on s'est tapé 12 heures de vol à partir de 18 heures. C'est ça, on a décollé à 18h de Paris et ouais, il y avait 11h de vol donc pour arriver à Los Angeles. Ouais. On ne plus les trajets, est-ce que ça vous manque? Moi quand je regarde les vlogs des autres, j'aime bien quand il y a le trajet. T'aimes bien quand il y a le trajet? Ouais. Dans ce cas-là, il faudrait le coupler parce que faire un vlog que du trajet, moi je trouve ça nul. Ouais. À chaque fois que je fais les montages et tout, je me dis pff, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Chez toi, tu vois ce que je veux dire aussi. Mais du coup, dites-le en commentaire parce qu'on a besoin de savoir, c'est pour vous. Moi, j'ai envie de vlogger les trajets, Tanguy pas trop. Cette fois-ci, on s'est dit après, on était mort, on avait besoin de se reposer. Donc, c'est ça, là. On a pas dormi pendant un bon moment. Semaine, donc on attendait qu'une chose, c'est de dormir dans l'avion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on est là pour faire des photos pour Touch Workout. Aujourd'hui sera uniquement une journée de photos Touch Workout. Il est 8h du matin, on avait mis le réveil à 8h du matin, puis on est depuis 2h. C'est ça, j'étais réveillée à 5h du matin. Moi 6h. 6h, j'attendais que tu te réveilles. Il n'y avait pas de café dans la chambre, t'étais dégoûté. Et en fait, il y en avait en bas. À l'accueil. Mais en plus, il y a du café en libre service. Hé, hey, toi, tu es déjà allé dans cet hôtel, moi, non? Oui, moi j'étais venue avec NYX Cosmetics dans cet hôtel. Il a Santa Monica trop bien placé. Je suis gelée par contre. Ah, mais il est là, le Starbucks. Et j'avais zappé qu'il y avait du café en bas, c'est vrai. Il n'y en avait pas dans la chambre, mais il y en a en bas en libre service. J'ai froid, je vais devoir me foutre en brassière toute la journée. Donc là, ouais, au début, on voulait se faire un Starbucks. Je sais pas ce que t'as dit, je t'ai pas écouté. J'ai dit que. Ouais, on voulait se faire un Starbucks et puis. Personne ne m'écoute, c'est un truc de... Et puis, vu qu'on a vu le café, on a dit hop, on va aller faire nos photos. Il y a personne. En même temps, 1er janvier, 8h du mat, il y a que nous dans la rue. Mais il y avait pas de bordel dans la rue. Non, il y avait un peu un feu d'artifice parce qu'on est arrivé à l'hôtel à minuit en plus. On est arrivé à. Donc on était claqués et tout, on a dit. Non. On est trop vieux pour ces conneries. Ouais, non, moi j'avais de toute façon, moi cette année j'aurais été à la maison, je n'aurais rien fait. On aurait pu me tirer par les cheveux pour aller faire la fête, je ne l'aurais pas fait parce que ça fait une semaine qu'on dort pas. Parce qu'on, ben, vous savez, notre webmaster avait du retard et du coup on avait très très peur de pas sortir le programme à temps. C'est dans 3 jours donc affaire à suivre. Mais si normalement, oui, on a tous fait des heures, enfin on fait des heures sup, nous on fait des heures sup tout le temps, mais les gens qui bossent avec nous on fait des heures sup au taquet. Enfin, vraiment, normalement il n'y a aucune raison, mais du coup, ça fait un petit moment qu'on est tous très stressés. Qu'on travaille tous dans la sous pression, quoi. C'est ça. Donc, mais on va y arriver. Je sais pas, le mec, je le voyais arriver vachement vite. Je me suis dit peut-être qu'il faut s'arrêter. Mais comment on fait là? Là-bas, j'ai vu la plage, donc on va aller à la plage. On retrouve après. Bon, première tenue, on a fait plein de photos déjà. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'hôtel. En fait, notre hôtel, il est juste là. Par là, là derrière, hop, on a juste à traverser la route et c'est bon. Donc, il va dans ma poche. Je peux faire une souris? Ouais, vas-y, prends-le. Oh, merci. Donc ouais, bah on va faire ça, Noémie va faire quelques stories. Et là du coup, bah on a fait des photos là-dessus. Là c'était sympa, il n'y avait personne ouais, en plus. Ouais, ça je voulais absolument. En même temps. Et quelle heure il est? 8h30, donc pour le moment on est bien. Franchement ouais, on devait se lever à 8h. Oui, on avait mis le réveil à 8h finalement. Là, mon réveil il sonnait sur mon téléphone. Ouais, c'est vrai. On va repartir. La tâche s'est changée. Oui, bah Tanguy a mis une veste d'hiver tout à l'heure, il y avait trop chaud. Mais tout à l'heure, il faisait pas chaud quand on est parti. Non, le matin, il fait. Le soleil venait de se lever. Degrés, je on crois. Est sorti à 8h quand même. Ouais. Là, il est 9h, ça va mieux. C'est un peu le merdier, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a déjà fait 2 shootings. Mais vas-y, brosse-toi. Mec est un poney. Attends, je suis parti. Ah, que tu te brosses avec ça. Oui. Pour enlever les poils. Ça, c'est trop bien. Parce que, en plus, c'est pas. Genre, il y a des rouleaux en papier là. Ça, moi, j'utilisais ça avant. J'en ai encore à la maison, mais je les utilise et j'en rachète plus. Parce que pour la planète, putain, c'est un enfer ça. Hein. Bon, celui-là, il est merdique. Un peu. Ouais. Parce qu'il y avait ça s'est cassé. Un petit manche qui s'est cassé. Mais il y en a plein qui existent. Pratique. Sont, mais, quand j'étais petit, on en avait un, c'était une poignée, on pouvait appuyer et ça tournait. Mais il est truc. Moi j'ai déjà vu chez ta mère. Oui, c'est chez ma mère. Ah oui. On va pas lui voler. Tu pourras dire à ta mère de nous l'offrir, merci. Non mais elle l'a acheté où? Mais je me rappelle plus et ça fait peut-être. Bon, brosse-toi, Martine. Par contre, si tu fais dans l'autre sens, ça te remet tous les poils en fait. Si tu te trompes de sens. Si je vais prendre ma brosse. Du coup, ouais, je me suis changée. Le but étant de faire au moins, je dirais, 7 shootings. Au moins 7 shootings, non? Aujourd'hui? On en a fait 2, mais il y en a un qui est pour moi. Donc. Oui, mais pour Noémie Make Up Touch. Avec des tenues différentes. Quoi. Avec des tenues différentes, donc faut venir se changer. Je pense, ouais. Ça va être compliqué dans la journée. Ouais. Donc heureusement qu'on a commencé tôt. Là, on repart là où on était parce qu'il y avait plein d'autres spots pour on faire. On est retiré aussi.
Ouais, faut qu'on aille retirer. Aux États-Unis, en liquide. Ouais, puis moi je donne plus la carte bleue, on évite parce qu'à chaque fois qu'on revient des États-Unis, on se fait pirater, on a plus de carte pendant 2 mois, c'est insupportable. Donc ouais, on fait un deuxième shooting, ensuite on ira petit déjeuner. Il est 9h, on a déjà modifié des photos et tout, franchement on est obligé d'être efficace parce qu'il faut que ce soir à minuit on ait tout fini. Parce qu'à minuit, bien. Raphaël, la personne avec qui on bosse sur le site, elle commence parce qu'il sera 9h du matin en France. Oui. C'est la misère, franchement c'est vraiment la misère. Mais bon, on va y arriver, on devait aller faire des photos dans la salle juste pour faire des photos pas bien à plat, pas sur le sable, mais le problème c'est qu'il y a quelqu'un. Fait chier, je l'entends sur le vélo elliptique. On ira après, ouais. C'est le tapis roulant ça. C'est la merde, pardon. Ah bah oui, je suis con. C'est pas là, c'est là-bas. Donc voilà, on repart faire des photos et après on va aller petit déj quand même parce que. Enfin, moi pour l'instant j'ai bu tellement de café que mes abdos ont disparu avec ce café. Mais. Non, j'ai pas faim, ah ouais. On verra, si on n'a pas faim, on ira directement manger. T'es enrhumé? Non. On dirait que tu perds du nez. Ah ouais, mais je mets bien. Maintenant, je ferme ça le nez. Fais comme ça. On est parti, on a fait tellement de shooting, il est 10h15 mais par contre là on meurt de faim, il est temps d'aller manger. Enfin moi je meurs de faim, toi pas trop encore. Moi je commence à avoir bien. Ah je t'ai vu manger un biscuit au Nutella, c'est que vraiment C'est que je suis au bout du rouleau. Ouais, parce que Tanguy la Nutella c'est vraiment pas sa cam. Mais c'est qu'il y avait que ça en fait hein. Bah oui, avec ça dans la chambre. Du coup on va faire des... on va manger, je me suis changée pour pouvoir faire des photos ensuite à Venice Beach. Et avec, en fait ce que je fais c'est que j'ai toujours un pull, une brassière en dessous du pull. Comme ça on peut faire 2 shootings pour chaque tenue. Et ce matin j'ai vu qu'on avait 5 photos déjà. Je pense. Oui, on va voir ce soir. À chaque fois qu'on fait un shooting on a des photos hein. D'accord. Non. Merci pour cette merci pour ce point très important. C'est un peu le but en même temps. Donc voilà, on va manger, enfin on va petit déjeuner. On sera un peu décalé sur la journée mais c'est pas grave. On va petit déj et on se retrouve après. Je sais pas s'il y a grand chose d'ouvert aujourd'hui pour le premier. Ah mais pour manger, je pense qu'on trouvera toujours quelque chose. Ouais, c'est obligé quand même, je pense, pour après, manger. Après, il est tôt encore, il est 10h. Est-ce qu'en France les restaurants sont ouverts le premier? Oui. Oui. Le premier, enfin, c'est pas comme le 25, tu vois. Le 25 décembre, tout est fermé. Ouais. Donc on verra, mais de toute façon, les magasins et tout, on s'en fout. On est vraiment là que pour faire des photos. Et bon, j'avais... Ah oui, non. Et non. Quoi? Il nous faut un tapis, j'ai oublié mon tapis et on a besoin de... En fait j'ai un tapis qui est très fin que j'emporte avec moi pendant les voyages pour faire mon sport et faire des photos. Et là je l'ai oublié, j'ai oublié une gourde aussi qu'on a besoin pour faire des photos. C'est con parce qu'on avait plein de place dans les valises quoi. Ouais, je suis vraiment conne. Je bon, sais après, pas ce c'est que... pas grave, ça te fera un souvenir d'ici. Ah, moi, toi, j'adore. C'est des hein. trucs que tu te sers toujours. Mais surtout, là, une gourde, je vais l'amener avec moi au sport et tout. Je serais trop contente, ça va penser à Los Angeles. J'adore ramener des souvenirs. Et du coup, voilà, moi, j'aimerais bien aller sur Urban Outfitters parce que je me dis que sur Urban Outfitters, il y a vraiment de tout. Donc, possiblement des tapis et tout. Donc, on va voir si c'est ouvert. J'espère parce qu'on a qu'aujourd'hui pour faire les photos. Sinon, on ne fera pas dans les temps. En plus, avec le décalage horaire, il y a 9h de plus en France. Donc, ça veut dire qu'à minuit ce soir, il faut qu'on ait tout envoyé à Raphaël qu'on a embauché pour nous aider sur tout ça. J'ai déjà dit. Putain, je suis chiante. Pourquoi personne ne me le dit? Vous devriez crier derrière votre écran là. Bon les gars, Noémie est blasée. On voulait aller manger juste ici là, à Great White. Et c'est fermé. Franchement, ça avait l'air d'être tellement avec des bowls là, tu sais, pour le matin. Ouais, ça avait l'air sympa, des acai bowls, des trucs comme ça. Du coup on s'est garé juste là, il y avait un parking devant et plein de place. On a pu se garer, c'est un parking limité à 1h. Mais ouais, je pense que sur Venise on arrivera à trouver un truc pour manger quand même. Ça sera pas aussi santé que ça. C'est sûr, bon après tu sais pas, Venise c'est quand même assez... C'est un truc frit dans l'huile. Oui mais c'était à l'époque. J'ai mal au ventre, j'ai la gerbe depuis 2 jours. Ouais, on va manger un truc frit dans l'huile, ça c'est bon quand t'as mal au ventre. C'est le seul truc qui passe ça. On a réussi à trouver un truc, tout était fermé en fait. Et après sur Venise, Venise comment vous dire, quand on se fait une idée de Venise, qu'on voit dans les séries et tout, on se dit ah c'est génial. Et quand on y va, nous on était déjà venu une fois donc on s'est déjà commencé. Mais c'est pas aussi beau que dans les séries. Et encore aujourd'hui je trouve que c'est mieux que la première fois. Il y a beaucoup de drogue. C'est ça, ouais. Moi ça me fait plus mal au cœur qu'autre chose. Ça fait pas trop carte postale quoi. Bah du tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur le... Voilà, c'est ça. Mais on a trouvé un truc où il y avait tout que vegan. Du bio, vegan et tout. Et franchement, mon truc, il est délicieux. Les mecs, super sympas. Or, on savait même pas si on pouvait rentrer dans ce magasin, tellement c'était un peu chelou de dehors. C'est chelou d'extérieur. On s'est dit, quand on pousse la porte, on va rentrer dans les cuisines. Et en fait, non. Non, on marchait, d'un coup on a vu bio, machin, c'est par ici, donc on a suivi. Et il y avait un truc d'açaï en fait. Et en fait, il y avait deux trucs collés l'un à côté de l'autre.
et on n'est pas allé dans celui d'Assaï, mais on a pris ça, ça a l'air super bon. J'ai pris un banana bread. Il y a des carottes dedans. Ouais, tout, il nous a dit tout ce qu'il y avait dedans, des raisins secs, je crois. Il a dit des carottes parce que là j'en vois, mais je crois pas qu'il l'ait dit. En fait, c'est comme notre carotte cake, mais avec des raisins secs et tout. Toi, ouais. Tu vas kiffer ça. Ok, et moi je me suis pris un truc. Oh, c'était pas donné, on a eu pour 15$ quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Pour juste une part de banana bread. J'ai mangé une banane déjà. Ah oui, il y avait une banane. Une part de banana bread, mais bon, la bonne part. Un truc comme ça. Et un jus d'orange bio. Après, tout était bio sur place et tout, donc bon. Comment c'est possible, hein, Noémie ? Je me suis assise là et j'avais une tache là. Non, t'avais des miettes. Ah. Des miettes, des trucs. Du coup, on a fait tout le tour un peu de Venice Beach. Donc, on est allé voir un peu les mecs qui font du skate. Il n'y avait pas grand monde aujourd'hui. Non. La dernière fois, c'était mieux. Oui. Mais là, après, à mon avis. De toute façon, aujourd'hui, ils sont tous morts, les mecs. C'est mort. Même là, on est à Muscle Beach. La dernière fois, il y avait plein de mecs qui s'entraînaient. Et là, c'est fermé. Là, il n'y a personne. Putain, moi, je ouais, c'est dommage. Attendez, les gens, ils vivent leur meilleure vie. Si jamais vous êtes inscrite à cette salle, on imagine. Hein, ben, vous avez cette salle-là aussi comprise. Mais oui. Putain. Non, mais c'est, y a que ça. Il n'y a pas de salle à l'intérieur. Il n'y a que ça dehors. Ils ouvrent là, et t'as tous les poids, t'as accès à tout en fait. Ah ouais, ouais. Ah, il n'y a pas de salle à l'intérieur. La dernière fois, il y avait plus de trucs. Hein. Muscle Beach. Muscle Beach. Ah. Muscle Beach. C'est en Amérique, ça se prononce muscle. Ah oui, c'est quand même Muscle Beach. Oui. J'ai cru que j'avais inventé un C. Ah non. Regarde, ils sont tous là, tous ceux qui ont fait en 2019. Manny Perry, Ben Wader, Sharon Bruno, Phil Williams. Tu les connais pas? Je pense que tous les mecs de la salle où on va chez nous, ils vivraient mettre leur meilleure vie. Ah bah là, c'est le pèlerinage. C'est quoi. Ah là, ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les canaux. Noémie, arrête de te coller à nous. Mais non, mais parce que je vois, il fait des jus et tout. Tu veux aller prendre un jus, il y a des whey et tout, on va aller au bar à whey. On n'a pas fait de sport avant. Bah ouais, regarde. Il y a des machins en forme d'haltère. Sans faire de sport, j'ai pas envie de prendre ça. Non, non, non. Allez, on va aller voir ailleurs. Si Doudou était un oiseau, ça serait lui là-bas. Je sais pas si vous voyez. Il a déjà un chat. Oui, mais Doudou est un chat. Il a une mais il a la même collerette, regardez-moi ça. Il a une petite crête. On dirait un petit bouc. Je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais c'est des sacrés oiseaux. Bon, du coup, on est arrivé jusqu'à au canot, là, à Venise. Ah, il y en a un là aussi, tout. Mais oui, tu l'avais pas vu? Non. Et la dernière fois, en fait, quand on était venu, on avait loupé ça. Je sais pas pourquoi, parce que je voulais le faire, mais on l'avait pas marqué, et puis on était parti, je sais plus. On l'avait pas fait, j'étais déçu. J'ai dit, si un jour on revient, on ira. Et du coup, bah, on est revenu, et on est y allé. Voilà. Moi, je suis jamais venu non plus. Non, mais c'est sympa, regarde, il y a des pédalos et tout. À l'abandon. Ouais, surtout. Et en fait, les gens habitent là, quoi. Là, c'est vraiment sympa pour se balader. Et en plus, il n'y a personne. Ouais. Update, il est bientôt midi, tu m'as dit ? Ouais. Et on a fini avec cette tenue. Moi, cette tenue-là, les dernières photos, j'en suis pas très fan. Donc, je sais pas si ça sera utilisable, mais je sais pas, je trouve qu'avec le pull, ça rend pas. Non, moi, je trouve ça bien. Pourtant, je le trouve trop beau vu comme ça. Et je trouve que sur les photos, il rend pas. Donc des fois il y a des fringues comme ça en photo, ça rend dégueulasse. Bref, on verra bien ce soir. De toute façon on doit toutes les regarder, toutes les modifier. Là je pense qu'on en a 500, non, à peu près. Ah bah à chaque fois c'est 150 à peu près. Alors on doit en avoir plus que 500 déjà. Ça va vite. Ouais, ça va trop vite. À chaque shooting c'est 150, ouais. À chaque tenue 150 à peu près. Et là ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on trouve un magasin qui vende des gourdes et des tapis. J'espère qu'à Urban Outfitters il y aura. Oui. Et mais j'ai peur qu'Urban Outfitters soit fermé. Et c'est le problème. Hein. Oh putain, oh, j'ai failli me bouffer la branche de l'espace, quoi. Ouais, j'ai peur que ce soit fermé. Donc putain, et les gens ils vivent leur meilleure vie ici. Ouais, ils sont trop bien ceux qui habitent là. Ouais, franchement ça me fait rêver. Ils se sont fait une petite librairie. Mais non, c'est pour les gens mettre et prendre, non? Non, non, c'est leur truc. Leur librairie pour se balader. C'est fermé à clé? Je pense que c'est plus un délire qu'autre chose. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, il y a plein de ponts là comme ça, je sais pas si vous voyez, je crois que vous avez vu. Tanguy, là, ma veste accrochée. Du coup, ouais, on va partir d'ici, changer de spot. Et on a deux spots à la maison qu'on veut faire. Donc, enfin, la maison, la meuf vit ici. À côté de notre hôtel. À côté de notre hôtel, ouais. Mais pour ça, il nous faut un tapis. Mais on va trouver ton tapis. Tu crois? Mais oui. Allez, let's go. Je crois que c'est parce qu'il est en train de la charmer. Ah, mais bien sûr. Moi je pense que c'est soit il a charme, soit il fait du yoga. Vu qu'on est à Los Angeles, je pense qu'il fait du yoga. Hein. Yoga life. Bon, victoire les amis, on a trouvé le tapis. Hein. Ah, mais vous savez pas, mais ça fait 2 heures qu'on cherche. 2 heures, que... tout de suite, toujours plus. On a fait 3 magasins. Ouais, c'est vrai. Ils sont tous là, on a fait Allo Yoga.
Il y en avait des sympas, mais ils étaient super chers, 90$. Ouais, et super lourd. Et juste noir ou blanc. On a dit, wow, c'est un peu dommage. Et vraiment très lourd, quoi, pour voyager. J'étais déçue que ce soit noir et blanc, quoi. C'est ça. Donc, à faire, autant acheter un truc joli. Lui, il est vraiment beau. Après, on a fait Urban Outfitters et maintenant, on est à Lululemon, ouais. Et il y en a plein de toutes les couleurs. Je suis et ma meilleure vie, j'ai envie de vivre ici. Ouais, je vais vivre très sympa. De tapis yoga et de Google. Hein. Il y a des serviettes trop belles et tout. Il y a plein de choses ici. Ouais. Victoire ! Victoire ! Noémie a fini par avoir son acai bowl. En fait, on se baladait, là, on avait faim, on voulait continuer à faire les photos. Donc, on est passé dans Nordstrom. Et dedans, il y a un food court. On s'est dit, bon, on va voir si on peut acheter un truc à manger pour que ça prenne pas trop longtemps, quoi. Mais au moins, ça nous relance un peu, là. Et il y avait rien qui était vraiment terrible, terrible. Et on a vu passer une jeune fille avec un bol. Et Noémie a dit, je veux un acai bowl comme ça. Depuis ce matin, elle veut un acai bowl, Noémie. Et ouais, mon truc était fermé pour mon acai bowl. Et ouais, du coup, elle s'est pris un acai bowl. Et moi, il y avait des panini, donc je me suis pris un panini. C'était une abeille, c'est pas assez gentil, les abeilles. Et moi, j'ai pris un panini, pesto, mozza, poulet. Je pense que ça a l'air sympa. On verra bien. Ça a pas l'air mauvais en tout cas. Nous sommes en présence d'une Noémie. Bonjour Noémie, comment vas-tu ? Bonjour, ça va. Bon, on vous retrouve un peu plus tard. Je sais pas quelle heure il est. Quelle heure qu'il est, Noémie ? 3h15. On a fini toutes les photos du site. Ouais, on a fait quasiment toutes les photos. Faudra quand même qu'on vérifie tout ça ce soir, qu'on les modifie, tout ça. De toute façon, eh ben, faudra en refaire à. Non, on a regardé, il y en a plein. Tout à l'heure, Noémie se baladait avec son. On aurait dit une genre de samouraï, une yogi samouraï. Je suis retournée dans ce magasin. Avec son tapis. Comment ça s'appelle déjà ? Lulu, je sais pas quoi, Lulu Yoga. Lulu. On vous l'a montré, on vous l'a dit tout à l'heure. Chez Lulu. Là où on a acheté. Yoga, Lulu. Lulu fait du yoga. Et ben franchement, un basique, une veste. Ouais, basique, tout était vraiment très cher. C'est genre 150$. Ouais. Moi je regardais pour acheter un petit pull. Hein. Tu souhaites à capuche ? Trop beau. 150 balles. Basique, mais qui était joli. C'est bon. Non, 200 balles. Non, ça c'était une veste. Ah, bon, du coup, on va continuer à se balader, à faire un peu des boutiques. On a droit de filmer ici, parce que je sais pas, les gens ils nous regardent bizarrement quand même. Ah ouais, on avait Ah ouais ? Et puis on va faire maintenant, on va faire un peu des boutiques. Hein. On va répéter aussi souvent la même chose. On arrive juste à temps pour le coucher du soleil. Hein. Et donc on commençait à rentrer, puis on a dit oh, on va passer par le bord de mer. Et qu'est-ce qui se passe ? Bam, le coucher du soleil. Ouais, c'est trop joli. C'est très beau, Noémie. Oui, je suis contente que j'ai fait une story. Il faut arrêter de faire si près. Fais peur aux gens. Non, mais je suis mal à l'aise après. Bon. Chers amis, chers Tanguy, nous sommes en train de nous endormir comme Jaja. Ça fait une heure qu'on bosse là, ou même plus. Oh. Combien de temps ça fait? Ça fait 2 heures qu'on est là-dessus, on n'a pas fini. J'ai qu'une envie, moi, c'est de fermer les yeux. Ouais, moi aussi, là, je suis vraiment crevée. Et on est. Franchement, on a bien bossé depuis 8h ce matin, on a vraiment bien bossé. On est allé se promener. Bon, on s'est promené une heure, après on est rentré. On a mis une demi-heure à rentrer quand même, on a mis un peu plus de temps que pour y aller. Parce qu'on avait le coucher du soleil. On a vlogué ça. Ah ouais. Du soleil et tout. Ah putain, je suis fatiguée. Je sais pas ce que je dis. Bon, on a vraiment bien travaillé, je suis contente. Et ouais, on était à la chambre à 17h, là il est 19h. Parce que bah. Et oui, ça fait 2 heures qu'on est sur les photos. Moi j'ai quand même. J'ai fait un montage. J'ai réussi à faire mon montage de ma vidéo de dimanche. Parce qu'on a des choses à rajouter et tout dans la vidéo, donc j'avais vraiment peur de pas être dans les temps. En plus, je veux la mettre samedi, je vous dis des bêtises, je veux la mettre samedi. D'ailleurs, au moment où vous regarderez ce vlog, sachez que le programme Touch 4, le nouveau programme Touch 4 sera en ligne. On a un code promo qu'on vous met juste ici. Et il est en ligne depuis ce matin. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Touch Workout. Vous avez donc un pack fessier et un pack abdos. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur la chaîne principale ou à aller sur le site internet comme je vous le disais. Tout simplement parce que bah, sinon je vais radoter là pour les gens qui regardent les deux chaînes. Je vais un peu radoter donc voilà. Et j'ai plus d'énergie là. J'ai l'air super blasée alors que je suis trop contente, on a fait des photos magnifiques et tout, enfin franchement. Ma vidéo est presque publiée, je vais pouvoir ensuite l'envoyer. Et Tanguy, il est en train de recadrer toutes les photos pour les mettre sur le site internet. C'est toi qui envoies des trucs. Allez, 50 photos ? Bah ouais. Tu viens de modifier 50 photos ? Eh oui, j'ai passé 2 heures à modifier les photos. 50 ? Je t'en ai sélectionné 50 ? Ouais. Je pense qu'il y en a que j'ai sélectionné sans faire exprès là. Ah bah sympa, il fallait le dire avant. Mais 50 ça me paraît énorme Tanguy. Il y en avait peut-être 500 des photos. Oui,
Il y en avait beaucoup. On a fait 600 photos aujourd'hui, c'est ça? Je sais pas. Non, 900 photos. Je sais pas combien. Enfin bon, bref, on a fait des belles photos. Donc je suis très contente. Elles seront toutes en ligne durant le mois de janvier sur l'Instagram de Touch Workout. Et certaines seront en ligne uniquement sur le site, je pense. Mais maintenant, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va vraiment préparer toutes les photos de Touch Workout en fin de mois ou en début de mois. En gros, pour tout le mois qui suit. Parce que sinon c'est difficile d'arriver à gérer en plus du reste. Donc je pense qu'on va prendre une journée et on va faire que des photos genre de 8h du matin jusqu'au coucher du soleil quoi. Donc voilà, on va commander des pâtes thaï après. On a trouvé des pâtes thaï au tofu parce qu'on a encore beaucoup de travail, on peut pas sortir de la chambre là maintenant, c'est mort. Il faut qu'on finisse de bosser. Demain on va se prendre une journée à Disney, ça va être trop cool. Franchement j'ai trop hâte moi. On n'a jamais fait Disney en Californie. Non, jamais. On avait fait Universal Studios, c'était trop bien, on avait passé une trop bonne journée. Et là visiblement demain ça ouvre à 8h Disney, donc faut qu'on vérifie. Mais apparemment ça ouvre à 8h et ça ferme quand même assez tard, minuit je crois. Non mais ça doit être les parties de Disney qui ferment plus tard, non? Je sais plus. On va checker quand même, mais on avait trop envie. Tanguy, il a un emoji de fesses sur son ordinateur, je comprends pas le concept. C'est pour les fessiers. C'était pour les fessiers, il a mis un emoji de fesses, on dirait une pêche quoi. Donc voilà, on va commander pâte thaï après, et mais quand on aura fini, non? Ouais. Au moins après on mange et on dort. C'est ça. On va manger, on va dormir le ventre bien plein. Un pâte thaï au tofu. Oh, c'est trop bon les pâtes thaï au tofu. Donc vous savez quoi, je vous reprends avec le pâtes thaï au tofu. Bon les amis, on va clôturer ici. J'ai mis un débardeur de Tanguy là parce que j'ai oublié mon pyjama. On va clôturer ici parce que il est 20h. Ça fait une heure qu'on attend notre commande Uber Eats. Une heure que la nana qui est censée nous livrer, elle l'a récupérée et qu'elle repousse de 10 minutes tout le temps. Concrètement elle a pris plein de commandes en fait. Et elle est à 500 mètres hein. On aurait mieux fait d'y aller. Mais pour bosser, on voulait pas y aller. Et ça fait une heure qu'elle repousse de 10 minutes tout le temps. Donc on va bouffer froid quoi. C'est dégueulasse hein. Un peu, juste pour qu'elle puisse récupérer plein de commandes quoi. C'est ça, mais en même temps, ils les payent pas les livreurs. Donc forcément, bah, ils pourraient. Tout. Ouais, mais ils pourraient payer leurs livreurs et que les gens qui payent 30$ leur plat mangent pas froid quoi. C'est ça. On peut pas annuler, on peut rien faire en plus. Donc si, mais à nos frais quoi. Bah oui. Okay. C'est dégueulasse hein. Elle a pas bougé en fait. Elle reste. Si, tu sais pas en fait. Ah. Elle est partie faire d'autres livraisons et puis elle est bloquée. Depuis une heure. Et encore une demi-heure. C'est impossible que ce soit chaud. Impossible, non? Non? Peut-être qu'elle a un four dans sa voiture. Je sais pas. C'est dégueulasse, hein? Un peu, ouais. En plus, on est crevé, on est mort de fatigue, on a qu'une envie, c'est de se coucher. Mais bon, il y a des gens qui meurent de faim et qui sont dans la rue. Donc, on va pas se plaindre. On verra. Peut-être que tu pourrais lui faire une petite réflexion quand même. Bah oui. Non, lui dire écoutez, mademoiselle. On a un remboursement une fois qu'on l'a reçu. Ouais, à part si c'est chaud, mais comment ça peut être chaud? C'est impossible, hein, une heure et demie, c'est impossible. Ça me paraît compliqué. Ouais, elle l'a récupéré de suite en plus. Bah, au début, elle devait nous livrer à 7h30. Quand elle l'a récupéré, ils ont dit elle arrive à 7h30. Et puis là, maintenant, elle arrive à 8h25. Faut que je dorme, j'en peux plus, je suis crevée, je me dors dessus. Bon, bref, comme je vous le disais, il y a des gens qui meurent de faim, donc tant pis, on mangera froid. J'espère que ce vlog vous a plu. On espère que ce vlog vous a plu. Putain, je ressens vraiment à rien. Je t'ai piqué ton débardeur et tout quoi. On se retrouve dans un prochain vlog. Bisous.